La technologie. J'attends que ça s'affiche avant de vraiment réagir, ça fera un peu de latence. Bonsoir les gens, ça s'est affiché, quelle joie. Maintenant je vais vite cacher cet écran pour ne pas avoir à affronter le vide existentiel consistant à regarder son propre visage. Non mais je vous jure, c'est une des parties du métier de... Enfin du métier, de l'activité de YouTuber ou de Twitcher qui est extrêmement badante, c'est que tu vois ta gueule tout le temps. Et il y a assez peu de gens qui s'aiment au point que regarder leur gueule tout le temps est quelque chose qui est appréciable. Donc je sais pas, souhaitez-moi bonne chance pour cette soirée, ça va être dur. On y va, on va tenir. Eh bien oui, comme tu l'as dit, Luc Elementique, ce soir je suis en compagnie de la Dream Team. La Dream Team composée de Gaël. Bonsoir Gaël. Bah, on a déjà perdu Gaël. Gaël, on a déjà perdu Gaël. Bon bah bonsoir Hermine. Comment vas-tu Hermine? Bah, j'ai réussi à choper un rhume en plein mois de juin parce que la clim dans les transports en commun. Ah shit, c'est pas le Covid au moins. Non, 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 c'est sûr que c'est un rhume. J'ai des autotests. Trop bien. Gaël, nous allons faire une petite musique d'ascenseur. Oh, je suis désolée pour toi, Vianetta de chocolat. On va faire une musique d'ascenseur en attendant ta douce voix. Tout, 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 Non, ça va être un peu chiant en fait. tout, 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 tout. comment ça va le chat? Vous êtes hyper réactive, réactif peu Vous ce êtes soir. déjà 6 en plus, c'est dingue. Yes. Comment ça va? Qu'est-ce que l'été vous prépare? On a déjà perdu Gaël, et eh oui. Le sorbet framboise, excellente recommandation pour soigner. Ah là là. Eh ben moi j'ai pris une glace à la noisette et c'était très bon aussi. Ça a l'air trop chouette en vrai. Un bon live de Dream Team. Ah, mais oui, nous sommes là pour te redonner le sourire. Et du J'aime bien saucisson. le duo. Cette glace framboise et saucisson. J'espère pas les deux en même temps. Attends, et on juge pas. Ouais, on ne Et juge rien. vive, vive, vive le sauc... Pardon, je vais avoir la chanson de licence 4 dans la tête. Il y avait mon daron, il était hyper fan d'un truc que je trouvais absolument ignoble et que je trouve toujours ignoble a posteriori, qui est le comté avec de la confiture. Genre, il paraît que c'est un truc, je suis comme perplexe face à ça. Ouais, c'est comme le fromage Est-ce que vous de brebis. m'entendez? Oui, Gaëlle! Yes! Ouais! Je suis désolée, j'ai juré des piles de bon Dieu, c'est moi qui vous le dis. Hein. Ah Oh, là là. Gaëlle, tu es T'as fait dommage! quelque chose et le karma est revenu te frapper par derrière. Oui, j'ai fait des mauvaises choses ces dernières semaines, effectivement. Oh là là! Ouh, elle est vilaine! Et surtout, j'ai Là mis là! un râteau à quelqu'un aujourd'hui, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé et je me sens toujours aussi mal quand ça m'arrive. C'est pas Tu es mal une de foutre un peste. râteau, ça veut dire que, enfin, comment dire, tu sais que ça mènera nulle part, donc tu arrêtes les frais avant que ça empire, quoi. Oui, mais j'étais. Forcément, la personne a réagi en mode. Ah oui, bah, je suis une très bonne personne, d'accord. Je vois pas de quoi tu parles. Je pourrais être très bien pour toi. Oui, d'accord, mais. Non, mais on n'en doute Oui, pas, mais mais c'est pas possible en je fait. Tu peux pas forcer les gens. t'ai dit non, merde. Voilà. Du coup, je me sens mal parce que Gaëlle. Bah, on est là Gaëlle, pour voilà. toi. Tout à fait, heureusement. Eh bah. Mais non, Ouais, vas-y. non, mais c'est tout. C'était voilà. Mais je pense pas que le karma m'ait rattrapé pour ça. Bon, j'ai pas Non. ghosté, Moi, mais je pense que c'est bien. Enfin, je veux dire que je pense que a posteriori, c'est un cadeau qu'on fait, les râteaux qu'on donne. Parce que ça ne pourrait c'est pas ça. marcher. On limite la casse. C'est de la Ouais, bonté exactement. anticipatrice. Non, mais puis je peux pas sortir avec tous les gens qui sont attirés par moi, parce que là, faudrait Et une on file a d'attente de trop! plusieurs siècles. Ça va, Je tu rigole. t'es prise pour une alpha bitch ou... Je suis une alpha bitch, ok? Moi, c'est Angélique des Estuaires, comme m'appelle mon collègue, depuis qu'il est Ah. traumatisé qu'on ait regardé ses films. Ah là là. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Là, C'est pour... on va mettre le Oui, oui, doigt oui. dans l'eau pour C'est voir tout si à elle est l'heure parce douée. que on fait un live en deux parties ce soir, donc il y aura une petite pause, mais ne partez pas à ce moment-là, on reviendra d'autant plus fort avec un live angélicain. On fera juste une petite pause pipi, rafraîchissement, parce qu'il fait chaud, il fait chaud. Et ça s'est un peu rafraîchi à Paris, mais quel enfer quand même. Vive le réchauffement climatique, la fonte des glaces, les océans, bah on va bientôt être les pieds dedans avec tout ça. Donc autant se préparer avec une discussion rafraîchissante sur les sirènes, parfaite pour l'été. On s'était dit que ce serait assez pertinent de parler de la petite sirène de Disney, le live action, parce qu'on avait fait un live il y a... YouTube me dit un an, mais je pense que c'est un peu plus. Il y a un an sur les sirènes.
un live qui avait recueilli pas mal d'enthousiasme alors qu'il est inaudible. J'ai essayé de le réécouter, il y a un écho monstrueux. Du coup, je me dis un jour, j'essaierai de genre extraire le fichier, cleaner le son ou quoi. Mais... Mon pauvre Pralinus. Non, mais ça me désespère. Est-ce que vous nous entendez bien là, histoire que quand je réécoute le live, je me dise pas « Oh mon Dieu, c'est inaudible !» Le but était un peu chaotique, cela dit. My God, non, pas les virer en sous-marin. Non, on va éviter tout ça. Alright. Un truc sur la mer, forcément, il allait y avoir une petite ref. Merci pour le son, alors, merci. Sinon, on met des orques. Si jamais je me rends compte que le son est horrible, genre, ce sera votre faute. Luke Elementix et Rocky Bambi. Pardon, non, ce ne sera pas votre faute, c'est ma faute. C'est moi qui devrais mieux me préparer techniquement. Double Skin, ce sera aussi ta faute. Bref, la petite sirène. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Je pense qu'on va peut-être commencer par Gaël, sachant qu'on avait classé quand même, dans notre vieille tier list des sirènes, là, qui a monté un peu, la petite sirène OG dans... Non pas dans Hydratant, le plus haut ranking, mais dans Vivifiant, parce que quand même, c'est un classique. Et on avait classé les suites en éclaboussant et mouillant. Et puis donc, le live action, où est-ce que tu le classerais et pourquoi? Dis-nous tout, Gaëlle. Moi, je ne suis pas objective, je vais le dire tout de suite. Cependant, j'ai adoré cette version-là. Il y a des choses que je n'ai pas adorées. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé Hailey Bailey, clairement, pour moi, c'est une princesse Disney. Hein, je veux dire, elle a la tête d'une princesse Disney, elle a la voix d'une princesse Disney. C'était un excellent choix de casting, en tout cas, pour ma part, que j'ai beaucoup apprécié. Alors moi, par contre, je suis très énervée parce qu'en fait, j'en ai marre des dessins animés où la politique n'a aucun sens. Genre, par exemple, pourquoi chaque fille a une mère assignée, sauf Ariel? Mais alors, il y a cette mère, en fait, donc qui s'occupe de l'autre mère? Et qu'est-ce qui se passe si t'as pas cet enfant? Et qu'est-ce qui se passe si y en a une qui meurt avant? Bref, ça n'a aucun sens. Donc ça, je suis pas contente, d'accord? Un jour, je ferai une vidéo de 1h30 sur tout ce qui va pas dans la politique des dessins animés. Par contre, j'ai beaucoup aimé le développement de l'histoire d'amour entre Ariel et Eric, qui donne vraiment corps à leur histoire, ce qu'il n'y a pas dans l'original, puisque finalement, t'es là, genre, pourquoi vous kiffez? Enfin, vous connaissez depuis 5 minutes. Donc là, il y a un vrai développement. Je trouve que Hailey Bailey est très expressive dans toutes ses scènes, même sans parole. Je suis tombée amoureuse de la chanson For the First Time. Après, j'ai cringé devant le rap du goéland et du crabe. C'est pas obligatoire. Et je suis très énervée de Melissa McCarthy, qui pour moi est une Ursula catastrophique. Ah merci, on est d'accord. Voilà. Oui. Et je suis très énervée, mais je pense qu'Hermine me rejoindra là-dessus, qu'elle ait des manches longues, parce qu'il ne faut pas montrer les bras des grosses, alors que, excusez-moi, elle avait des bras nus, la Ursula. Et mais puis oui. Elle fait du grand Melissa McCarthy, que c'est une actrice que j'aime beaucoup, mais voilà, voilà. Et puis, Javier Bardem, moi je m'attendais à ce qu'il soit hyper sexy, parce que, soyons clairs, c'est un sugar daddy de ouf. Et là, il était même pas torse nu. Mais oui, mais oui, en fait, voilà, donc ça va pas du tout. Après, j'ai aussi adoré le perso de Vanessa. Enfin, je trouvais qu'elle était superbe, mais j'étais déçue qu'ils aient pas repris la chanson La petite sirène. Je crois qu'on entend un peu le thème musical, mais effectivement, elle le chante pas. Donc, c'est un peu déceptif sur ça, mais je défendrai ce film jusqu'à ma mort face au racisme. Donc, moi, je le mettrais dans au moins éclaboussant. Au moins. Ouais, je pense qu'on va le mettre là. Hermine, qu'as-tu à en dire? Il existe. Voilà, fin de la critique. Oui, bon, oui, voilà. Déjà, j'aime pas le dessin animé de Braz. Alors, la reprise, oui. Alors, il y a des éléments intéressants. Hein. Ça fait un peu Broadway dans les nouvelles chansons qui sont données. Bon, les animaux, en fait, fallait même pas mettre d'animaux en 3D dégueulasses. Hein. Enfin, foutez des sidekicks humains. Bah, genre, je sais plus, je crois que c'est Pralinus qui disait ça. Genre, mettez que les sœurs d'Ariel servent de sidekick rigolo. Ah oui, voilà, au moins une, quoi. Plutôt que ça. Non, non, mais Polochon et Sébastien, et puis la. Puis Eureka dans les. Alors, Eric. Il a le charisme d'une huître pas fraîche, donc désolé, c'est pas non. Oui, bon, la méchante, j'aime elle fait bien, quoi moi. Bon, je le prends.
Garde-le, t'inquiète pas. Ursula, c'est ni Micheline Dax, ni la Ursula du film d'origine, donc voilà. Hein. Ça existe, voilà. Donc perso, moi j'aurais mis dans Mouillon. Mouillon. Oh, c'est sévère. Non mais tu peux pas le mettre au même niveau que la série animée où Eric ressemble à un mec qui s'est pris un bus. Je pense pas qu'on peut le mettre au même niveau que Tritanus dans les Wings. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Non. All right. Moi, j'aime bien ce Eric. Hein. Il a eu son petit moment Zac Efron sur le rocher là. Personne n'a la ref. High School Musical 2. Mais si, évidemment. Mais si, évidemment, évidemment. C'est juste sa chanson est nulle. Ah, mais sa chanson est à pourri à chier, mais bon. Juste, c'est vrai, j'ai pas vu La Sirène pour le coup, mais je crois que c'est lui qui a fait Le Vieil Homme et la Mer, Alexandre Petrov. Je le regarderai et, genre, à la prochaine prochain Ciné QQ Club, je ferai un petit aparté au début où je classerai du coup le court-métrage La Sirène de Petrov, et puis je vous donnerai le lien parce que je pense que c'est sur YouTube comme à peu près tous les dessins animés soviétiques. Alors, il y a Russe deux bols qui de la exigent création. Une tier list Sugar Daddy. Qu'est-ce que t'as dit, pardon? Il y a Double qui dit à quand la tier list Sugar Daddy? Oh, faudrait faire une tier list. Il y a trop de tier list à faire. Les Sugar Daddy, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, j'avoue. Genre, ça, c'est sympa, tu vois, mais les momies. Ouais, aussi. On peut faire Sugar Mommy et Daddy. Hein. Je veux dire, ils méritent tous. Ouais, je pense que la priorité, ce serait la tier list coupe au bol. Je pense que c'est ça qu'il faudrait faire en premier. C'est ça que le public attend. C'est ça qui va me faire dépasser les 10 000 sur YouTube. Eh bien, tu sais qu'en parlant de ça, j'ai pensé à vous, je fais une petite aparté. Il y a quelqu'un qui a dit que le prince dans Le Cygne et la Princesse, Arthur, c'était une version de Lord Farquaad s'il avait grandi. Oh putain, mais tellement ça de la tête. Mais c'est tellement ça, oh my god. Cannot unsee. Voilà, exactement. Rock list top tier, mais évidemment que Rock list serait top tier. La tier list blond ou brun, mais tiens, attendez, petit aparté. Non, j'ai adoré Donjons et Dragons, genre je pense que c'est mon film préféré de l'année, c'est mon blockbuster et préféré. Tu vas me dire qu'il est blond dedans, mais il est complètement blond dedans, la preuve, quelqu'un a fait un fan art de Donjons et Dragons et quelqu'un a mis en commentaire c'est qui le mec, est-ce que c'est Jaskier? Parce que Jaskier est brun et Chris Pine est blond et du coup on le reconnaît pas. Mais le fanart était top, c'est juste on reconnaissait effectivement pas le barde que joue Chris Pine parce que Chris Pine est blond dans Donjons et Dragons. Fuck it, ça n'a aucun sens de le dessiner en brun. Qui sont ces gens? Genre je pense que c'est comme la robe qui est bleue ou blanche selon les personnes. Certaines personnes voient Chris Pine brun et d'autres le voient blond. Et les gens qui ont raison sont ceux qui le voient blond. C'est comme la robe. Les gens qui avaient raison étaient ceux qui la voyaient, je sais plus quelle couleur, mais je sais que j'avais raison. J'étais dans la team qui ont raison. Elle était blanche et dorée. Oh. Ce film est une bonne surprise, extraordinaire surprise. J'adore parce que les gens censurent vos commentaires avec Chris Pine parce qu'il y a écrit Pin. Du coup, je dois les valider. Mais oui, il est blond, il est tout à fait blond. Merci, Charichak. Alors d'ailleurs, je voulais dire un truc. Tant pis. Ah oui, il y a pas, en parlant de robe qui brille là, y a pas la robe qui brille de la petite sirène. Oui, ça c'est voilà. Non mais ça, le quota fanfreluche. Le quota fanfreluche est lamentable dans cette petite sirène. Oui. Franchement, oui. C'est affreux. Heureusement contre, qu'il y a des oui. belles queues de sirène parce que sinon on serait tellement genre mais au sol. Enfin, les visuels horribles. Enfin bon, pas de belles robes. Bon, je vais donner mon avis en rebondissant sur des choses que vous avez dites puisque je suis assez d'accord. Avec ce qu'a dit, je remonte. Vous êtes bien actifs ce soir, ça fait plaisir. Bon, c'était qui? Hikaru Kinomoto. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est mon ami maintenant. Hali Bailey. Je suis avec Double Skin. Pardon? Je suis avec Double Skin, moi. Chatin. Pas blond. Cette couleur que les blonds utilisent pour dire qu'ils sont pas blonds. C'est pas parce que t'es pas blond Ken, blond platine, que t'es pas blond, espèce de blond. You're not that special, you're blond. Bref. Anyway. Après, Linus s'énerver dans la miniature vidéo, là, ça me bute. Je ferais ça, il est blond. Comme vous savez, les youtubeurs réactions, je ferais genre. Comme ça, avec un il est blond. N'oublie pas, oui. N'oublie pas pour la miniature.
Faire des bonnes têtes. Je suis un arrêt sur image. Mais bref, je rattrape le chat. Blond cendré, blond foncé, blond vénitien, ce que vous voulez, mais c'est blond. Hein. Le châtain, c'est une couleur inventée par les blonds pour dire qu'ils sont pas blonds. Anyway, La petite sirène, on y revient. Alors, Halle Bailey, incroyable, vraiment très très bon choix de casting. On peut pas imaginer quelqu'un d'autre. Elle a un visage de princesse Disney, effectivement, avec ses très grands yeux, ce visage tout rond, tout doux. Elle a quelque chose de l'énergie juvénile. Sa voix est très très chouette. Enfin, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne, enfin une interprétation vraiment différente du personnage d'origine, qui est un peu, enfin, je sais pas si vous avez vu Little Shop of Horror de Howard Ashman. Du coup, une comédie musicale sur laquelle il a bossé avant de faire La Petite Sirène. Elle a basiquement la voix de la Love Interest. C'est une voix vraiment très aiguë, très, bah, très Broadway aussi, qui est très puissante. Et je crois que c'est Jodie Benson là. Non, Oui, si. l'interprète originale, L'interprète originale, je crois. Et c'était pas Claire Guillot qui l'a doublé à la base pour la chanson, mais je crois dans des réenregistrements du doublage, elle faisait les parties chantées en VF. ouais. Et Mais d'ailleurs, c'est anyway. très dommage. Ouais. Ouais. C'est un peu dommage, ouais, puisqu'elle a, elle a une voix de comédie musicale maintenant, puisqu'elle s'est formée, je crois qu'elle a fait Mamma Mia, mais elle est pas non plus. Enfin, maintenant, elle a plus la voix juvénile qu'il aurait fallu pour Ariel non plus. Mais du coup, Ali Bailey, c'est vraiment une interprétation totalement différente, c'est ce qu'on attend d'un live action, et ça marche super bien. Enfin, tu perds vraiment pas le personnage avec elle, c'est la meilleure chose de ce film. À part ça. Effectivement, j'ai trouvé que la romance était mieux développée que dans le film original, même si, enfin, comment dire, je l'ai vu juste après, histoire de vraiment comparer, grâce à une certaine personne qui me permet de squatter son compte Disney+. Merci Gaëlle. Et du coup, j'ai un peu plus apprécié le film original, mais pas forcément pour la romance qui est vraiment mieux dans le film live, parce que ils ont vraiment fait un parallèle entre la situation de Eric et celle de Ariel, au sens où ils sont tous les deux brimés par leurs parents dans leurs vrais désirs, qui sont en fait basiquement pour les deux d'explorer le monde, au-dessus de l'océan pour l'une, vers l'océan pour l'autre. Donc ils se rencontrent à mi-chemin des deux mondes, leur romance fait vraiment sens, ça marche bien. Après, Disney aurait pu faire un blind casting et dans ce cas-là justifier le fait que une femme noire est un enfant blanc, ce qui arrive aussi hein, dans le fait le métissage c'est un peu au hasard quelquefois, mais non, ils ont dit qu'il était adopté, ce qui explique qu'il soit le seul blanc de son île. C'est un peu genre. Je sais pas, je suis sûre qu'il aurait pu avoir un mec racisé qui aurait fait un couple absolument charmant avec. Fait. Avec Halle Bailey, surtout qu'il est quand même assez oubliable. Après, je trouve que le Il est design trop d'Eric vieux. de base est un peu moche. Il a cette espèce de coupe Ah. des années 80. Il a la coupe de MacGyver, si vous remarquez. Il a vraiment un mulet. C'est un peu chum. Non pas que j'ai quelque chose contre les mulets en général, mais le mulet façon premier de la classe d'un film. Enfin, vous savez, le joueur de football américain dans un film de John Hughes. C'est ça la coupe qu'il a, Eric, en fait, parce que c'est un truc des années Mais 80, en non. fait, La Petite Sirène. On oublie ça, La Petite Sirène, c'est 89, donc il y a toutes ces références de teen movies. Et Ariel, je pense, si elle est rousse, c'est peut-être aussi en référence au film de John Hughes où il avait Molly Ringwald qui était rousse. Et puis Eric, il a la coupe du quarterback, quoi. Et c'est moche. Mais ce nouvel Eric n'est pas beaucoup plus inspirant, mais son personnage est mieux écrit. Et il le joue pas si mal, c'est juste Bah qu'il a oui. une tête qu'on oublie, comme la plupart des acteurs blancs de son âge à Hollywood. Voilà, écoutez, on a fini par avoir un espèce de modèle unique, on en prend un, il en pousse 15, c'est Hollywood. C'est vrai. Story. Il a la coupe de Johnny dans Dirty Dancing, coupe au vol. Après, moi j'ai adoré, juste, j'ai vraiment adoré le parallèle entre la grotte et le bureau d'Eric, je l'ai trouvé très joli. Oui, le bureau d'Eric est Quand vraiment chou. vraiment, ouais. Non mais vraiment c'est trop mignon parce que ça montre vraiment qu'en fait ils viennent pas du même monde mais finalement ils ont tellement de choses en commun que j'avoue c'est mignon quoi. Ouais, puis C'est même, choupi. enfin, j'ai trouvé ça très très chou le moment où il lui fait deviner son prénom et où il lui montre Oui. les étoiles et elle fait ce truc avec sa bouche. J'étais comme, ah, oh, the chemistry is insane, c'est trop mimes. Genre, le mec n'a aucun charisme, tu Ouais. vaux beaucoup mieux, Ali Bailey, mais la chemistry est là donc on valide quand même. C'est son choix C'est après ça. tout. Écoutez, nous on n'est pas comme Triton, on écoute les choix d'Ariel. C'est ça. Et en plus, on n'a même pas vu les tétons de Javier Bardem, donc
Bah non, Remboursé, hein. hein. Mais cet océan de coincés là, c'est des coincés. Ils sont tous surhabillés. Le triton là, Eh il a des trucs oui. jusqu'ici alors qu'il était à Walpé à la base. C'était un fantasme gay. Et puis pareil, Ursula, autre fantasme gay puisque c'est une drag queen jouée par Melissa McCarthy. Je n'ai habituellement rien contre elle, mais elle imite très très mal le travail de la Oui. première doubleuse. Pour le coup, elle ne s'est rien approprié. Et mais son costume est une catastrophe. Et en plus, ils ont ajouté cette scène, mais qui la rend tellement insupportable, où elle est comme. Elle cherche à faire une potion, elle se rend compte que ça se passe trop bien, que ça va trop vite pour Ariel et le prince, et du coup, elle cherche une potion pour arriver sur Terre avec la voix d'Ariel. Elle la trouve pas, et d'un seul coup, elle fait genre non! Et t'as la caméra qui s'éloigne d'elle en mode dramatique, et puis après, elle est comme ah, oups, elle est là en fait. Et j'étais comme mais à quoi sert ce gag de merde? Ça décrédibilise complètement son carré, ça ne va pas avec ce personnage, ça passe dans un film Disney Channel, cette blague, pas dans un live action qui adapte La Petite Sirène, à savoir le film qui a quand même relancer le nouvel âge d'or de Disney, quoi. Ce manque de respect. Mais Ursula, c'est juste la meilleure méchante de Disney en plus. Enfin, peut-être ex aequo avec Maléfique, mais désolé, un peu de respect pour la majesté. Et c'était vraiment. Mais rien à sauver dans cette performance. Vraiment, j'étais comme. Mais ouais. Et j'aime bien cette actrice d'habitude. Enfin, Oui, je sais mais pas, moi genre. aussi, hein. Mais là, en fait, dès qu'ils ont annoncé le casting, j'ai fait bah non, parce que déjà pour moi, je pensais qu'ils allaient vraiment prendre une drag queen, quoi. Enfin, pour moi, ça aurait été logique. Surtout qu'il y a, je ne sais plus son nom, mais il y a quelqu'un, a performer en anglais, j'ai plus le nom en français, qui a chanté pour Unfortunate, je vais pas réussir à le dire, mais qui a Pauvre âme en chanté la perdition. chanson. Oui, qui a chanté la chanson, ça tournait partout sur TikTok et oh, le charisme, je t'en veux, mais il fallait prendre cette personne en fait. C'était cette personne qu'il fallait prendre. Genre. C'est clair. Non, puis il y a plein de Queen plus size qui auraient mais fait d'excellentes Ursula. Enfin, genre, Mais grave. je pense à, je sais pas, il y a qui? Eureka, par exemple, elle aurait été très très bien. Enfin, je pense aux Queen de Drag Mais Race, mais clairement. il y en a des Oui, tonnes oui. qui auraient fait un très bon casting. Sinon, genre, je sais pas, Lizzo, elle était comme prenez-moi en Ursula, elle aurait été mieux en petite sirène, avouons-le, puisqu'elle a aussi un visage de princesse Disney, Lizzo. Oui, Mais elle bon. aurait pas été crédible en Ursula, elle est beaucoup trop mignonne. Elle est trop chou, elle est trop Mais soft. oui, elle est trop sweet, et ça passe pas. Mais genre, imagine un duo où t'aurais pris Lizzo en sirène pour faire la sidekick et remplacer Polochon et Sébastien. Genre, elle Ah, aurait ça aurait été été la parfait. compositrice royale ou je sais pas quoi. Enfin, genre, t'inventes un rôle pour Lizzo en sirène, genre, fantasme ultime, ça aurait été parfait. Ou sinon, Ah tu... ouais. Ou sinon, tu développes le rôle des sœurs d'Ariel, quoi. Enfin, genre, le seul problème, je pense, aurait été qu'on aurait trop shippé Lizzo et Ali Bailey, du coup, si elle avait Grave. été une sirène. Mais un peu le même genre de rôle qu'a... comment s'appelle cette actrice-là dans Aladdin, qui est le sidekick de Jasmine. Ils auraient pu inventer un personnage comme ça. Ils l'ont pas fait, ils ont quand même Ah suivi. oui, comment elle s'appelle cette actrice? Elle joue toujours des seconds rôles, elle est géniale. Ouais, c'est Ah, une je sais meuf du plus. Saturday Night Live. Mais. Nasrim, quelque chose comme ça, je crois. Je ne sais plus. Pédrade. Ouais, et effectivement, ces points à noter, bon, ça, on a tous compris, c'était hyper cringe, le rap, mais il n'y avait pas le cuisinier français, qui est quand même un personnage Les assez hilarant dans poissons, les l'original. poissons. How I love the poisson! Mais oui, en vrai, un peu. Et j'avoue que j'aime bien la scène à la fin. Alors, j'étais contente qu'il fasse pas le mariage parce que j'ai toujours trouvé ça hyper rapide. Dans le dessin animé où je suis Après, en il y a mode, une mais attends, ellipse, genre il l'a non? rencontré il y a 1 heure et il y a déjà un mariage qui est prêt, genre qui sont ces gens? Bah, je pense qu'il y a une Enfin, vous allez ellipse, faire non? couler Je sais pas. tout. Non, il n'y a pas d'ellipse, hein. Oh. Non, c'est vraiment en mode, il la trouve le matin et il l'épouse le soir. Je suis en mode, personne fait ça, aucun wedding planner n'est assez doué. Genre, enfin, vraiment. Et j'avoue que par contre, le bateau, ça m'a manqué, j'aimais trop que la petite sirène, elle nage. Enfin, ça montrait vraiment que du coup, elle avait plus ses capacités de sirène et qu'elle s'en rendait compte et tout, enfin. C'est un peu tragique ce moment-là dans le dessin animé. Yup, yup, complètement. C'était bien Nazim Pedrade pour l'actrice. Mettez Nazim Pedrade en sirène aussi. Mais bref, les sœurs de la petite sirène, cruellement sous-exploitées, je crois qu'elles ont moins de répliques que dans le dessin animé de base. Elles ont toutes pas Bah, de en fait, réplique déjà. dans le dessin animé original, elles chantent. Du coup, genre déjà, ça leur ajoute des lines. Oui. Pourquoi on n'a pas eu un numéro chanté au début? Du coup, enfin, c'est un peu Mais badant. oui. J'ai trouvé. Où est-ce qu'on en était là? J'ai trouvé
toutes les séquences sous-marines ratées. Genre, c'est dramatique. Se dire que H2O, la série australienne d'il y a genre 15 ans, là, elle m'a plus fait rêver que ce film, côté scène marine. H2O. Genre, please. Alors qu'on a la technologie maintenant, enfin, je sais pas, ils ont dû mais brusquer tout le monde pour respecter les délais ou je sais pas quoi, mais genre, c'était trop ambitieux, clairement. S'ils avaient fait moins de scènes, comme dans la plupart des films de sirènes qu'on a cités, en fait, qui se sont débrouillés en plus avec des effets pratiques, souvent, enfin, genre, j'ai le souvenir de ce film russe incroyable où ils avaient filmé des plans sous l'eau, quand même, avec des espèces d'effets de drapés magnifiques, enfin, il y avait des belles choses à faire, en fait, en réduisant le temps qu'il y avait sous l'eau, ou, je sais pas, en stylisant un peu l'animation, enfin, genre, ça aurait pas non plus choqué si, en passant de sous l'eau à la surface, ça devienne un peu moins hyper réaliste, et ça aurait peut-être même permis d'inclure le crabe et le poisson de façon moins horrible. Mais bref, il y a rien qui m'a fait rêver, les couleurs sont tellement ternes, et on ne sent pas l'eau, on ne sent pas l'eau, en fait, on ne sent pas les cheveux qui flottent, on ne sent pas tout ça, et le fait que ce soit hyper réaliste, ce rendu, ça fait que à la moindre... Au moindre moment où la physique a pas l'air respectée dans l'eau, ça te choque. Genre, il y a un moment où je sais plus quelle... une pipe en bois tombe directement dans l'eau comme ça, genre... Tuc. Et je suis comme, mais elle est lestée, en fait. Genre, c'est du bois, à la base, ça fait pas ça tout de suite. Ouais. Genre, plein de petits moments comme ça, où genre, t'as les cheveux qui sont un peu trop statiques, bref, c'est... Il fallait faire des choix, en fait. Il fallait vraiment, genre... éviter d'être aussi ambitieux avec ses effets spéciaux pour au final rater absolument toutes les scènes marines. Genre, je suis désolée. En plus, on a vu dans les films récents qu'il y a des séquences sous l'eau très très belles dans, je sais pas, The Shape of Water ou Aquaman que je vois sur la tier list. Genre, les scènes dans l'eau sont mieux. C'est tellement raté dans ce film. Du coup, effectivement, quand elle arrive sur Terre et qu'il y a toute cette... cette culture caribéenne qui est montrée avec toutes les couleurs, toute l'animation, la danse et tout, t'es comme... Ah là, je suis dans un Disney. Ah là, ça se passe bien. Je suis plus dans cette espèce d'océan vide avec trois sirènes. Genre, à un moment, les sœurs, elles disent genre, oh là là, Ariel doit être amoureuse d'un mec et tout. Et t'es comme, enfin, d'un merman. Et je suis comme, quel merman? Je pensais vous étiez les seuls gens du coin, en fait. Genre, c'est affreux. Ouais. Ah, mais oui, à la fin, genre, en fait, il y a un peuple sous-marin. Ok. Oui, alors que dans l'original, t'en vois pas des masses et des masses, mais dès le début, il y a la séquence où tout le monde va au palais pour le concert, et du coup, ça te montre qu'il y a un bail de vraiment plein de gens, quoi. C'est un peuple en entier, quoi. C'est ça, genre... Puis il y a cette histoire l'intro... de lune sacrée aussi, là. Non, mais alors... on s'en fout. Oui, c'était... Mais d'ailleurs, ouais. Ils ont pompé ça sur le dernier Barbie, hein, parce qu'il y a aussi la lune sacrée. Non, mais ils ont pompé ça sur H2O, non? H2O, il y a le truc de la pleine lune sur le bassin des sirènes. Oui, oui. Ouais. Et je vous jure, il y a ça dans le dernier Barbie aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, qu'il faudra que je classe, parce que Barbie Mermaid Power, je l'ai vu aussi. Ah, mais je vais l'ajouter après, t'inquiète. On va le rajouter. Tu seras la seule à le classer, mais on en rediscutera à l'occasion. Quand on l'aura vu, il faudra qu'on le mate avec Hermine. Mais oui, les films Barbie font plus rêver. Enfin, les effets spéciaux sous-marins sont une catastrophe. Après, il y a de belles séquences sur Terre. Il y a pas de belle robe, ça c'est vraiment impardonnable. Mais en plus, enfin, cette robe à paillettes qu'elle a en sortant de l'eau, elle a fait rêver des générations d'enfants, on est d'accord? Genre, tu la vois, elle sort dans sa robe cocktail fondue, t'es comme, Triton l'a bien gâtée et tout. Genre, elle est comme, allez, ma fille, va pécho, tu as mon blessing. Voilà une robe bien sexy et tout, qui brille en plus. Enfin, on dirait, elle va aller chanter, dans un club de jazz, quoi. Elle est magnifique, sa robe à ce moment-là. Et quoi, t'as ce héros vieux nul. J'aurais adoré qu'ils utilisent une robe comme celle qu'Hailey Bailey elle a portée à une des avant-premières, là, où on dirait qu'elle a une vague sur elle. Là. Mais oui, elle avait des robes magnifiques aux avant-premières. Qu'est-ce qui s'est. Les gens IRL nous font plus rêver que ce film, c'est ça la tragédie. Donc j'ai dit le point Eric, j'ai fait le point Hailey Bailey qui est parfaite, le point Ursula qui est nul à chier, Triton et les sœurs sous-exploitées, Triton, qu'est-ce que c'est que ce costume? S'il te plaît, nous voulons notre daddy torse nu. Dans les animaux, je trouve que autant le gamin qui fait Polochon, c'était pas possible de rendre ce Polochon mimi, quoi. Genre, il a la voix la plus chou du monde, et tu vois cette espèce d'horrible poisson qui te ziote comme ça, genre.
Genre, c'est affreux. Alors que celui qui fait Sébastien, j'ai trouvé quand même qu'il s'en sortait bien. Je crois que c'est un mec qui vient de Hamilton, enfin, qui s'est fait peut-être connaître comme ça. Celui qui faisait Lafayette, je crois. Bref, il s'en sort bien. Il a une voix chouette. Mais bon, ça reste quand même un crabe de merde qui n'a aucune expression. J'ai vu qu'il y avait. Apparemment, il y a des débats sur les sirènes sont-elles véganes? Parce que le triton, là, il est comme les humains sont des fish eaters et tout. Et du coup, tu comme ah, toutes les sirènes sont véganes. Du coup, ça lui fait pas. Enfin, ça lui fait un peu bizarre. C'est pour ça, Halle Bailey, quand elle arrive et qu'elle voit qu'il y a des espèces de. Il y a une espèce de fresque où il y a des poissons qui se font bouffer. Et j'étais comme. Si vous avez rajouté cet élément, ça rend vraiment la romance Ariel-Eric encore plus bizarre. C'est un petit peu genre, t'arrives dans ta belle famille et en fait tu te rends compte que ces gens-là mangent tes amis. genre, c'est le trop de détails des live action qui te ruinent l'expérience. T'es comme, mais wait a second. Genre, En vrai, canoniquement, la meuf se marie avec un gars dans la culture duquel on mange ses amis. ouais. Et je crois que c'est dans La Petite Sirène 2, à un moment donné, il y a des plats de poisson qui sont préparés. J'étais en mode, je me souviens petite, je me disais, Et ça la choque pas! mais enfin Ariel, ça fait 12 ans que tu vis sur Terre, t'as pas dit quelque chose là? Yep. Les sirènes mangent quoi Bah, alors? Du des plancton. humains. Des algues. Mais vous savez qu'en plus, les algues, c'est vraiment très. Enfin, il y a plein de trucs très bien dans les algues. Enfin, je veux dire, en tant que vegan, il m'arrive de prendre des compléments à base d'algues parce que les algues, c'est bien. Voilà, des coquillages et crustacés. Oui, alors, les crustacés aussi ont une âme puisque Sébastien est un crustacé. Et on a vu quand même bouger pas mal de trucs pendant Sous l'océan. Donc, à mon avis, ils n'ont pas beaucoup le choix sur ce qu'ils peuvent manger. Imagine après sous l'océan, genre, allez, toi je te fais griller. C'est au pif! Genre, bon, alors, moi, viens là, à la casserole. Ah, je te jure. Anyway, enfin, c'est trop d'explications. Genre, dans le film, le petit dessin animé, enfin, petit, le dessin animé OG, tu te poses pas ces questions. Mais comme ce film live action rajoute des détails, t'es comme, wait a minute, est-ce que toutes les sirènes sont véganes? Et tu arrives à cette conclusion horrifiante. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vanessa était très très bien. Et c'est ça qui est tragique, c'est genre, tu préfères Vanessa à Ursula? Genre, what the fuck? C'est vraiment là que tu te dis, mais la Ursula est monstrueusement rate et tu la préfères sous sa forme de mannequin russe, quoi. Mais elle était très très chouette, enfin, je m'attendais pas. Enfin, pour moi, elle est arrivée, j'étais comme, oh, ils ont pris une mannequin russe, of course. Et enfin, je sais pas si elle est russe, mais elle a vraiment le type beauté slave ou je sais pas quoi. Et au final, elle jouait très très bien. Le moment où elle devient zinzin, de rage et tout, elle avait vraiment les traits déformés par la colère. J'étais comme, Elle a bien joué. Elle apparaît pas longtemps, mais elle a eh. bien joué. Et sa robe était stylée pour le coup. Sa robe violette était magnifique. Ouais. On valide Vanessa. Et voilà, sinon les designs des sirènes sur papier, ils sont bien. Dans le film, il n'y a rien qui rend bien. Voilà. C'était pas GG, je veux bien le mettre en éclaboussant. Même si je trouve que les séquences de Splash font plus rêver, que je trouve que H2O fait plus rêver, que les sirènes de Mako fait plus rêver, que même Princesse Tarla avec ses genre 2 frames d'animation à la seconde fait plus rêver. Ouais, mais quand même. Bon, on le met où du coup? On le met en éclaboussant? Moi, je le foutrais dans mouillant, donc c'est vous qui décidez. On est deux sur éclaboussant. Mais du coup, il est au même niveau qu'une sirène à Paris. Eh ben, c'est très bien. Ouais, bah, ouais. Mais du coup, sur le chat, j'ai vu que ça mentionnait un caméo de Jodie Benson. Elle apparaît quand? Parce que du coup, j'avoue, j'avais pas repéré. Et celle qui lui donne la fleur et qu'elle mange, Oh, mais c'est Jodie oui! Benson. Mais j'ai pas fait Mais oui. attention. Bah, par contre, elles étaient vraiment trop douces sur les tapis rouges à se faire des câlins et tout. Jodie Benson, à un moment, elle a dit à Hailey Bailey qu'elle était trop fière d'elle et tout. J'étais en mode, c'est ça qu'on veut. Bah Ça qu'on oui. veut, de la sororité comme ça, là. Ça qu'on veut. C'est celle qui lui donne une fourchette, me dit-on. C'est peut-être une fourchette, mais en tout cas, c'est quand elle se balade. Yes, Dans it le makes marché. sense. Ouais. Alright. Alors, je vais ajouter après le film Barbie, mais en attendant, je voulais mentionner, puisque juste après, parce qu'ils l'ont sorti le même mois que La Petite Sirène de Disney par opportunisme, j'ai regardé ce documentaire sur Netflix qui s'appelle Mer People ou Sirène de métier en français, et je l'ai trouvé trop bien.
Genre, c'est rare qu'il y ait un documentaire sur ce genre d'activité vraiment d'une communauté réduite, de gens vraiment très très passionnés par un truc hors norme, qui soit pas genre, oh regardez ces frics, regardez tous leurs problèmes psychologiques, regardez comme ils sont chelous, oh là là, comme ils sont pathétiques. Là, j'ai trouvé qu'ils ont réussi sur 4 épisodes, parce que c'est assez court, à faire tenir genre un vrai, des vraies trajectoires de personnages, même s'il y a certains personnages qui étaient peut-être moins. Il y avait moins de focus sur eux que d'autres, du coup, je suis allée tous les suivre sur Instagram parce que ce sont des vraies personnes. Et j'ai vu que certains avaient réalisé leur rêve, je ne vous dis pas qui, mais franchement, ça fait trop plaisir quand tu t'en rends compte sur Instagram après. Ça fait tellement plus rêver que la petite sirène de Disney, puisque les être une sirène, du coup, de métier, enfin, il y a une minorité de gens qui s'en sortent. Aux États-Unis, du coup, ça a une histoire. Il y avait les sirènes de Wikiwachi, qui est une source, je crois, en Floride, très profonde, où il y avait du coup des spectacles de sirènes. Dès les années 50, enfin ils font un peu l'historique et c'est très 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 chouette parce que du coup on voit toutes ces vieilles femmes qui étaient des sirènes, qui sont toujours liées par ça, qui savent toujours faire leur figure sous l'eau, qui se retrouvent plus tard et c'est magnifique de voir ces vieilles femmes nager et se retrouver. Et tu vois un tas de gens minorisés qui se retrouvent ensemble à travers cette passion. Notamment il y a le Big Tsunami qui est une personne noire non binaire fabuleuse. Je vous conseille d'aller suivre cette personne sur Instagram qui a un parcours très touchant. Il y a c'est Mermaid chez Monique. Du coup, qui est une femme grosse et noire, pareil, qui est passionnée de mermaiding, qui s'en sort super bien, qui bouge trop bien sous l'eau. Et bah, absolument tous les mecs sont gays dans l'univers du mermaiding. Genre, j'ai pas vu une seule personne qui était pas gay, en fait, sur Instagram en les suivant. Tous les mecs sont gays, littéralement. Tous les mecs qui font ça sont gays. Qui est surpris, je ne sais pas. Mais bref, si vous voulez rêver en voyant des sirènes, regardez les vraies sirènes, en fait. Très très bien filmé dans Mer People. Le générique, il est genre gravé dans ma mémoire. Surtout, enfin, il est sogué. À un moment, t'as un focus en ralenti sur un téton d'un des tritons. Enfin bref, c'était très très chouette. Donc je vous le conseille. Il est wholesome. Enfin, c'est vraiment un docu qui rend content. À la fin, t'es comme, ah, tout le monde a réalisé son rêve. Et en plus, tu te rends compte que d'autres personnes encore ont réalisé leur rêve quand tu vas sur Instagram. Moi, je m'attendais à ce qu'ils focusent sur les dramas, à ce qu'ils fassent quelque chose d'un peu cinéma, quoi, ou alors qu'ils se foutent de la gueule de ces frics qui sont fans de sirènes, mais pas du tout. Ça salue leur performance sportive parce que c'est quand même un exploit. C'est quand même de Bah l'athlétisme, clairement. quoi. Mais bref, Ah bah je le recommande. carrément. Pour moi, je le mettrais peut-être dans le deuxième ranking en. Tuc, 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 hydratant. Non, pas hydratant, en vivifiant. Est-ce que je rattrape un peu le chat? Il a l'air vraiment. Il est très très bien ce docu. Je C'est recommande vrai que complètement. il y a l'anti-petite sirène qui va sortir, la Ruby, la Dokraken là. De Oui. DreamWorks Oh là là. Ça a l'air. Ça a avec pas l'air. Ça a l'antagoniste. l'air d'être fait dans un mauvais esprit, tu sais, du coup. C'est Surtout en. que l'antagoniste ressemble vraiment à Ariel. Enfin, on dirait un mélange de Bloom DeWitt et de Ariel. Ouais. J'ai vraiment cru que c'était Bloom au début. Hein. Mais j'ai vu Ah la non, c'est bande-annonce Bloom. et j'étais comme, mais est-ce qu'on est revenu à l'époque de Shrek où ils avaient besoin de casser du sucre sur Disney tout le temps? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on est si insécure que ça? Anyway, je vais te chercher du coup, ça s'appelle comment? Barbie. Barbie Mermaid Power. Et tu peux commencer à en parler, je vais juste l'enregistrer et l'afficher. Du coup, Barbie Mermaid Power, c'est sorti l'année dernière et c'est une suite des aventures de Barbie Big City Big Dreams où elle rencontre l'autre Barbie. Donc ça, Barbie, il y a Barbie Malibu, donc ça c'est la Barbie originelle, et il y a Barbie Brooklyn. Et donc elles partent en vacances pour nettoyer la mer avec ses sœurs et Barbie, Barbie et Barbie. Et c'est le retour de Ayla de Barbie et la magie des dauphins. Donc on Ah! est sur un petit triangle amoureux. À qui elle avait Ouais. appris la lesbiennerie en dansant dans la mer? Exactement. Et donc et en gros elle leur dit bah ouais en fait c'est la lune de je sais plus quoi. On a besoin de sirènes, il nous en manque. Venez. Voilà. Et en gros il y a un espèce de jeux olympiques de sirènes pour savoir qui est l'élu. Pour sauver la pleine lune. Il y a le retour de Marlowe, la méchante du film qui voulait enlever les dauphins dans la magie des dauphins, qui là a une obsession pour les sirènes et veut prouver qu'elles existent, du coup, suite au premier film.
Et donc voilà. Après, le film est pas, il est pas folichon, hein. Par contre, les séquences sont vraiment jolies. Les sirènes sont toutes très belles et très diversifiées. Il y a vraiment un travail de fond sur les corps, les animations. C'est vraiment très très, enfin très beau à voir. Et puis il y a une belle représentation, voilà, des personnes qui ont un handicap, notamment. Bon, je vous spoil pas la fin, mais sur la fin où il y a vraiment, voilà, il y a un petit personnage, elle est trop top, elle est vraiment trop mignonne, et il y a des belles histoires d'amitié, avec plus des focus sur les sœurs de Barbie pour le coup. Mais c'est très mignon, ça se regarde bien, très inclusif, et je trouve que c'est sûrement un des meilleurs films. De cette ère Barbie, en tout cas, à mon sens. Voilà. Mon seul petit reproche, c'est qu'il est un peu court. Mais comme maintenant, en fait, les films, ils sont raccourcis, ils ont moins perdu 15 minutes depuis les premiers Barbie. Donc voilà. Mais en tout cas, honnêtement, pour un petit dimanche après-midi, à montrer à des enfants, c'est adorable. Je l'ai montré au fils d'une amie, il est obsédé. Genre, vraiment. Trop Il veut chou. regarder que ça maintenant. Et sur le Netflix, il n'y a que ça. Et hop, on reprend au début. Mais du coup, non, moi je le mettrais franchement bah, je le mettrais dans Vivifiant parce qu'il est pas du tout comme Magie des Perles qui est une plaie sans nom. C'est vraiment au même stade que Mermédia pour moi, quoi. Trop bien. Bah, on avait déjà mis aussi le premier Barbie sirène lesbienne. Ouais, Enfin, bah c'est. Ouais. Ça va de pair. Après, on est très content de revoir Ayla, même si, tu comprends pas trop parce que dans le premier film, elle dit qu'elle est seule au monde et qu'elle a pas d'amis. Et là, genre, elle est bras droit de la reine des océans. T'es là, genre, the fuck, enfin, c'est passé là en 2 minutes. Voilà. Yep. Il y a plein d'incohérences. Mais ça, vous me connaissez, j'adore les incohérences. Tu vas nous faire une vidéo de. T'as déjà sorti une vidéo de théorie dessus? Non, c'était pas théorie, c'est juste j'en avais parlé parce qu'on m'avait demandé de parler du film une fois que je l'aurais vu. Et un jour, je ferai les incohérences entre les deux films, ouais, carrément. Yes. Voilà. Alright. Alors, on a donc bouclé ce petit rattrapage express de sirène. Je rajouterai la sirène de Petrov dès que je l'aurai vue. Puc, puc, puc. Et on va faire une petite pause, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, avant de passer à la tier list ultime sur Angélique. Oui. Ah bah non, bah j'ai rien à rajouter. Vous êtes pas prêts. C'est bon? Ah. Alright, on vous retrouve dans, je sais pas, 5 minutes, le temps d'aller Ouais, remplir nos 5 verres d'eau, minutes. etc. Ok. Alright, alors je vais arrêter le streaming pour celui-là et on se retrouve dans quelques minutes. Ciao! À tout.